Le gouvernement de Stephen Harper a décidé de couper dans des programmes culturels en promettant un nouveau programme de financement de la culture. Quel genre de programme? Welcome, Mr. Damages. Rivard. Michel Rivard. Welcome, Mr. Beau Rivard. Bon. En gros, je représente un petit festival de chansons et on est jumelé à un autre petit festival de chansons pour faire connaître nos chansons, mais en France. Alors, pour ça, ben, on a besoin d'un peu d'argent. Of course, you realize that you're going to represent Canadian culture. C'est que mon colleague tente extrêmement d'expliquer. C'est que le gouvernement a un nouveau programme pour la culture, de le patrimoine, pour promouvoir le Canada à l'extérieur du pays. Et je crois que nous sommes très soucis sur how do you say the concern. It's a très suceux. Très suceux. That's right. Suceux. Oui, suceux du Canada. Yeah. Do you believe in God, Mr. Riven? Hopes he believes in you. Crée-moi, crée-moi pas. Quelque part en Alaska, y'a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sorry, sir. Qu'est-ce qu'il y a? What did you say? I think you said fuck. Yes, I heard fuck. Did you say fuck? I heard the word fuck. Non, j'ai pas dit fuck. You said fuck, sir. Who said fuck? Excusez. Non, mais j'ai pas dit fuck. You said fuck again. J'ai dit fuck, mais pas fuck, pas fuck. Oh, please. J'ai parlé de l'animal, le fuck. Fuck, OK. Enough! OK, je vais changer ma chanson. Otari. OK, des fois, on change juste quelques petites affaires. Sorry? Did you say tits? No. He said tits. He said tits. That's outrageous. J'ai jamais dit tits. Je disais tits, petites. J'ai pas dit tits. I'm sorry, but you said tits. Je n'ai jamais dit tits. You said tits. No, fuck! You said tits. He just said fuck again. Je disais petite affaire, small affairs. A small affair. Oh. So what you're saying here is you're having a small affair with a woman other than your wife? Non, j'ai pas d'affaire avec des femmes. C'est pas ça que Are you a homosexual? No. Next, please. Chaque dollar investi dans l'industrie culturelle rapporte 11 fois plus en bénéfices directs ou indirects.